Bonjour, je me présente, René May. Je suis français. Je sais que cette cassette va pour plusieurs pays. J'ai la chance de me rappeler de ce qu'on appelle le paradis, d'être né avec cette émotion, en tout cas ce souvenir des couleurs, des êtres fantastiques qui sont là-haut, des émotions, des endroits où l'on peut se trouver à travers la neige ou à travers la mer et puis se retrouver à l'instant juste d'après ailleurs, ou près de quelqu'un que l'on a envie de parler. Et puis, en venant ici, donc, quand je suis né dans le ventre de ma maman, je me rappelais bien sûr de tout ça, évidemment, puisque c'était dedans. C'était pas d'une façon cérébrale, c'était comme si une émotion était intérieure. Je voyais à travers son ventre, et puis je me rappelle de l'accouchement, enfin de tout ça, en tout cas quand je suis sorti. Et puis de là, ben, j'ai grandi. Avec le temps, j'avais du mal à comprendre pourquoi des gens se disputaient, s'énervaient. Pourquoi il y avait des guerres, des accidents, pourquoi même les gens vieillissaient aussi, parce que là-haut, ça n'existait pas. Donc j'ai eu beaucoup de mal quand j'étais enfant à comprendre. Et puis maman me disait de ne pas parler de ce que je lui racontais un petit peu, de plus en parler quand j'étais tout petit, parce que sinon elle m'a dit on va se moquer de toi. Alors tu fais, ben, je n'ai plus rien dit. Les années ont passé, j'ai commencé à m'intéresser aux mathématiques que j'avais pu ramener de là-haut, qui m'avait permis de faire beaucoup de recherches parce que j'étais passionné de ces mathématiques. Et puis j'ai cherché à comprendre l'univers, la vie, la nature, le pourquoi, le comment. Les années ont passé et puis j'ai pu prendre enfin une position, faire ce que j'avais toujours eu envie de faire depuis toujours, puisque j'avais la chance de voir à travers les personnes depuis tout le temps, depuis tout enfant. Il ne me restait plus qu'à faire ce que j'aimais, donc à recevoir du monde. Ce que j'ai fait, j'étais très jeune, j'avais peut-être 22 ans, 23 ans, enfin dans ces eaux-là. J'ai commencé à recevoir du monde, beaucoup de monde. Je prenais les mains des personnes et puis je parlais de leur vie, ça me permettait de les aider et puis de partager leurs problèmes. Et puis en parallèle, j'ai commencé à me rapprocher des milieux hospitaliers, bien sûr, pour rendre visite. Notamment de ce qu'on appelle le sida, séropositif. Essayer de rester près d'eux pendant ces moments difficiles, sur lesquels souvent ils étaient seuls. Ils finissaient tout seuls, leur vie. C'était comme ça, ça faisait un peu peur. Et puis, j'ai commencé à rencontrer des personnes qui ont vécu ce qu'on appelle des NDE, des morts imminentes, morts approchées, des personnes en fait qui décèdent et reviennent à elles. Elles me parlaient parce que c'était plutôt des femmes. Elle me parlait de lumière, d'une grande lumière qu'elles avaient vue. Je connaissais cette lumière parce que je pouvais en parler, je pouvais leur en parler. Mais comment est-ce qu'on y allait de notre pleine conscience du vivant jusque-là, ça je ne savais pas. J'avais remarqué que ces personnes-là étaient complètement changées, transformées à l'issue de cette expérience qu'elles avaient vécue. Alors j'ai pensé que si j'arrivais à reproduire ce qu'on appelle une NDE, cette mort imminente, alors je pourrais apporter l'explication de comment on peut atteindre cette lumière pour pouvoir aider, en tout cas, à transformer la vie des personnes. C'était un but, ben nous sommes là, bordure de mer, il y a un bateau qui passe, de pêcheurs. Ça fait partie du direct, si on peut dire. Donc c'est sympathique, voilà. Et le bateau de pêcheur, vous le regardez là. Voilà. Qui revient de la pêche apparemment. Donc nous sommes dans le midi de la France, ici. Et lorsque j'ai pu côtoyer toutes ces personnes, c'est vrai que ça m'a permis de pouvoir bien mieux comprendre effectivement le problème qu'il y avait. J'avais ce souvenir de là-haut, de tous ces êtres. Certains vivaient cette expérience et étaient transformés. Alors j'ai pensé qu'il serait bon de pouvoir reproduire ce qu'on appelle une NDE. Donc la reproduire, mais d'une façon consciente. Alors j'ai commencé à chercher et puis j'ai trouvé un moyen très simple
Parce que j'ai toujours été entouré d'êtres très lumineux, depuis toujours, que j'avais connus là-haut, quand j'étais dans le ventre, quand j'étais bébé, tout bébé, qui ont toujours été là. Et avec eux, donc, j'ai pu partager et savoir comment est-ce que je pouvais faire. Alors j'ai commencé, je me suis préparé à peu près pendant un an à essayer de rentrer en méditation, ce qu'on appelle la méditation profonde. Je n'avais aucune notion, aucun a priori d'ailleurs, puisque je ne connaissais pas, c'était le seul élément que j'avais perçu qui pourrait me permettre peut-être d'arrêter mon cœur et d'essayer de reproduire une mort imminente. Je me suis préparé un an, 4-5 mois pour arriver à, je dirais vraiment, à la pénétrer. Alors si j'avais de le comparer, eh bien, c'est comme si vous preniez une bouteille d'eau d'un litre, un litre et demi, vous la mettez au bout du bras et puis vous ne bougez pas. Vous la tenez pendant des secondes, des minutes, des heures, des jours, des semaines et des mois. Ça fait mal, ça fait une crampe, des crampes, ça brûle. Et puis un jour, à un moment donné, eh bien, tout lâche. Au bout de ces quelques mois, eh bien, ça a lâché, je n'ai plus senti mon corps et j'ai pu enfin être plus libre. Et puis, il s'est passé encore des mois et des mois. Il y avait des choses intéressantes, des sensations agréables. Mais je n'arrivais toujours pas à atteindre ce que j'étais allé chercher, cette lumière. Jusqu'au moment où j'ai pu me retrouver à des endroits différents. C'est-à-dire que j'étais là, dans un jardin, en train de méditer. Et je savais que je me trouvais aussi, parfois, au milieu du désert, parfois à la cime d'une montagne, parfois devant une plage, parfois au milieu de la glace, de l'Antarctique, des fois au milieu des grands arbres de bois, des fois au-dessus d'une cascade. Enfin, des moments fabuleux, des endroits de la planète que je ne connaissais pas. Et je savais que quelque chose de moi était là-bas, et pourtant, je savais aussi que j'étais toujours au même endroit. Quelque chose se déplaçait. Qu'est-ce que c'était? Je ne pouvais pas l'expliquer, mais je savais que quelque chose était là-bas. Ça se passait régulièrement jusqu'au jour où j'ai pu rendre visite à une jeune dame que je ne savais pas d'ailleurs qui était rentrée au monastère. Je savais qu'elle voulait être sœur et j'ai pu lui rendre visite. J'ai pu même, pour la première fois, c'était pas intentionnel parce que je ne savais pas, j'ai cru que je partais aussi comme d'habitude vers un autre pays, puis non, là c'était dans un monastère, c'était 4h, 4h30 du matin. Je voyais à travers la porte, parce que il y avait des sœurs et cette jeune dame dans une chapelle. On ne ressent pas d'émotion en ce moment-là, on constate, c'est tout, on vit l'instant. J'ai pu rentrer, lui parler, lui dire que sa voix n'était pas là, que sa vie était au dehors. Elle m'a demandé de venir m'asseoir à côté d'elle, de rester, parce qu'elle ne comprenait pas comment j'étais rentré, qu'est-ce que je faisais là. Et puis quelque chose m'a aspiré vers l'arrière et je me suis retrouvé, quelques instants après, alors difficile à définir le temps, mais quelques instants après, en train de méditer comme j'étais d'habitude. Quelques temps après, cette période de méditation s'est terminée, elle avait duré à peu près 2 ans. Et puis, elle était venue me voir, juste là, me demander comment c'était possible, comment j'avais fait, est-ce que c'était ma méditation qui permettait cela. Alors j'étais content parce que pour la première fois, il s'était passé quelque chose, mais pas complètement. Content parce que j'étais allé chercher cette lumière et malgré le temps que j'avais passé, la difficulté qui avait été très très dure surtout au départ, j'avais toujours pas atteint cette lumière que j'étais allé chercher que ça. Et je n'avais apparemment toujours pas pu l'atteindre. Alors j'ai repris à recevoir du monde, aller à l'hôpital. Et puis il m'a fallu des années plus tard pour comprendre que cette lumière je l'avais atteinte, mais c'est parce que je voulais la penser, je voulais la voir, et qu'en fait c'était ma pensée, quelque part des fragments de ma pensée qui voulaient la voir alors que j'étais dedans. Alors les années ont passé, il a fallu que je rentre dans le monde des affaires. Comme certains, si on peut parler d'une vocation ou d'un chemin de vie, eh bien c'était ça, j'avais des directives. J'ai commencé à rentrer dans le monde des affaires. Je n'avais pas d'argent, bien sûr. Je n'avais pas de connaissances particulières puisque je vivais relativement en dehors de la société. Et puis, je me suis préparé d'abord pendant quelques mois puisque je ne connaissais pas le domaine fiscal ni bancaire. Alors j'ai étudié pendant quelques mois, voir comment est-ce que je pouvais adapter
ce que j'étais au fond de moi, ce que l'on peut appeler spirituel, avec une société dans la matière. Une fois que j'ai compris le mécanisme, comment je pouvais l'adapter, alors j'ai pu mettre dedans et puis en un an et demi, j'ai fait l'acquisition de 200 appartements à peu près, en tout. Alors bien sûr, ça a soulevé beaucoup de questions, comment c'était possible, qui c'est celui-là, personne ne me connaissait, je n'avais pas de contact, je n'avais pas d'argent. Ça a soulevé beaucoup de problèmes. Pour la première fois, je me suis retrouvé avec des ennemis. Je n'en avais jamais eu dans ma vie et je m'en suis trouvé sans le savoir. J'étais rentré dans le monde des affaires et j'avais fait quelque chose en fait qui gênait d'autres personnes. Je ne le savais pas, ce n'était pas mon but, c'était pour faire de l'humanitaire simplement, pour m'aider à préparer ce chemin que je fais aujourd'hui encore. Ces ennemis-là, eh bien, il y a eu un problème effectivement par rapport à un huissier dont son frère était très intéressé par l'immobilier, faisait de l'immobilier. J'avais pris possession de certains bâtiments, apparemment que certains convoitaient dont lui. Et ça a été l'opportunité de pouvoir eh bien, essayer de me chercher des problèmes pour une histoire d'argent que je ne devais pas, en tout cas une toute petite somme apparemment, a priori que je ne devais même pas du tout, et qu'une de mon temps plus important qui me réclamait, on avait amené, enfin la personne qui m'aidait un peu, avait amené les papiers comme quoi tout avait été réglé, qu'on ne devait rien. Toujours est-il qu'après, ben, il a quand même fait des histoires, bloqué les comptes, enfin sans raison. Et puis c'est vrai que c'est pas très spirituel, je reconnais, c'est vrai. Mais peut-être que ça fait partie de la démarche aussi d'évolution. Quand cet huissier, après avoir vu et constaté que je ne devais pas l'argent, a quand même bloqué des comptes, bloqué une voiture que j'avais, enfin, fait quelque chose qui paraissait un peu gros, je me suis arrangé pour le rencontrer. Et c'est vrai, je le répète, c'est peut-être pas spirituel, donc je ne dis pas de le faire. Effectivement, eh bien je lui mets une baffe, une claque, je dirais, parce que en même temps qu'il me parlait, je sentais la colère, je sentais un petit peu les gens derrière qui peut-être il embêtait. J'ai rien contre les huissiers, pas du tout, hein, j'ai rien contre personne d'ailleurs, mais ça s'est passé comme ça. Et je sentais en même temps que c'était peut-être le point de départ parce que je devais passer par une période que l'on appelle la prison. Alors, l'occasion était bonne, j'ai été mis en garde à vue, grand le bras le bar de combat, ils sont venus en nombre, m'arrêter une semaine après. Garde à vue, un policier effectivement gentiment m'a dit je vois bien que vous êtes ni envoyé ni rien, on voit bien, mais malheureusement là vous êtes tombé sur ce qu'on appelle des grosses huiles, vous êtes coincé et je ne sais pas comment vous allez vous sortir de là, mais sachez qu'ils ne vous veulent pas du bien. J'avais compris ça et c'était mon immobilier en fait qui visait plutôt que moi. Alors ils se sont dit, puisqu'il a monté ça en un an et demi, on va forcément trouver quelque chose, un trafic de quoi que ce soit, puisque pour eux ça paraissait évident que c'était impossible de monter un patrimoine pareil en un an et demi sans argent, sans connaissance. Ils ont cherché, recherché, ils ont trouvé, parce qu'il n'y avait rien à trouver, tout était légal. Et puis, le deuxième jour, ils ont commencé plutôt, quand j'ai été incarcéré, le deuxième jour, parce qu'ils voulaient ma peau, c'est le cas de le dire, le deuxième jour de mon incarcération, je n'arrivais pas à rentrer en méditation parce que je me suis dit peut-être que j'ai fait une erreur, peut-être que j'aurais pas dû faire comme ça, peut-être que je m'y suis mal pris, peut-être que c'était pas comme ça que je devais rentrer en prison, enfin, beaucoup de questions fusaient dans ma tête et la peur de l'erreur était présente. Alors à ce moment-là, j'étais contre les barreaux d'une fenêtre de la cellule, de la fenêtre parce qu'il n'y en avait qu'une. La cellule faisait à peu près entre 8 et 9 mètres carrés, donc c'est pas grandiose. Et lorsque j'étais contre ces barreaux et la fenêtre, eh bien, un ange est apparu à ma droite et m'a regardé. Lorsque vous regardez un ange dans les yeux, vous ne verrez pas des yeux. Vous verrez l'univers, vous verrez l'infini. Quelque chose qui vous attire, qui vous aspire, je dirais, c'est assez troublant, mais assez beau. Cet ange m'a regardé et m'a simplement dit « Tu vas démarrer un nouveau passage, mais sache qu'il ne manquera pas une pierre à notre socle. » Il a disparu immédiatement. J'étais rassuré, j'ai pris ma tenue de méditation et je suis parti en méditation pendant le restant de mon incarcération. J'ai pris 5 ans ferme pour quelque chose qui a été
je dirais exagéré, effectivement. L'huissier avait 4 jours d'ITT, interruption temporaire de travail. Il faut savoir qu'il faut 8 jours pour qu'une plainte tienne. Et bien là, comme c'était juridique, avec la police, avec tout le milieu, qui s'était arrangé entre eux, et bien j'ai pris 5 ans ferme. Alors comme il manquait des chefs d'inculpation, on en a créé, séquestration, enfin, des choses complètement ridicules, mais sur lequel, c'est vrai, je ne me suis pas défendu du tout. Pas du tout. Ils le savaient. Donc, ils avaient libre cours de faire ce qu'ils voulaient et ils l'ont fait. J'ai pris 5 ans. Sur ces 5 ans, j'ai fait 2 ans et demi de prison. Et je peux vous dire que pendant ces 2 ans et demi, ils ont fait ce qu'ils ont pu. J'ai pas peur de le dire. Tout ce qu'ils ont pu, tout ce qui était dans leur pouvoir, abus de droit, bien sûr, pour essayer de me faire couler, de me trouver une affaire pour plus que je sorte. Enfin, tout ce qu'ils ont pu. Toujours est-il que lorsque je suis sorti, 2 ans et demi après de prison, j'avais appris beaucoup de choses de la vie, de la société, que je n'aurais jamais pu apprendre. Ce passage, finalement, a été très important. Et lorsque je suis sorti, eh bien, même si le patrimoine était en déficit, parce qu'ils étaient allés voir des locataires en disant de ne plus payer les loyers, enfin, j'avais du retard, j'avais de gros problèmes financiers, mais une chose est sûre, c'est qu'ils n'avaient pas pu toucher une seule pierre du patrimoine. Ils n'avaient même pas pu l'effleurer, même pas une égratignure. 2 ans et demi après, ils avaient fait tout ce qu'ils avaient pu pour essayer de me faire couler, pour essayer d'effriter, d'essayer de trouver quelque chose, ils n'y étaient pas arrivés. Il n'y avait rien. Je me suis souvent rappelé ces mots de cet ange, les mots clairs et nets, qui m'avaient dit « Il ne manquera pas une pierre à notre socle ». Et effectivement, c'est ce qui s'est passé même 2 ans et demi après. J'ai essayé de remonter comme j'ai pu. J'ai pu remonter, multiplier même ça, pour être un peu plus dans le monde des affaires, puisque c'était le désir. J'ai monté un centre à Madagascar, à Behens, exactement, à 35 km de Tananarivo, sur la route d'Antsilabé, sous l'association La Lumière. J'ai acheté une partie d'une colline, construit un bâtiment. Et aujourd'hui, ce centre reçoit beaucoup de monde et soigne qu'avec des plantes. Voilà. Eh bien, les résultats sont très bons, d'ailleurs, sur beaucoup de problèmes de santé, de cancer et autres. Et puis, c'est vrai que quelques temps après, eh bien, j'ai voulu partir avec ce qu'on appelle le DSDF. Je voulais comprendre. J'avais vécu une expérience avec eux quelques années auparavant. J'étais parti quelques jours parce que je voulais comprendre pourquoi des personnes... Et comment des personnes étaient capables de tout plaquer pour vivre et a priori heureux. Parfois, je parlais un peu avec eux, quelques instants, pour partager quelques minutes avec eux, simplement de sympathie. Et j'avais du mal à comprendre. Alors, j'étais parti quelques temps avec eux, bien sûr. Et j'avais reproduit encore une autre fois après, pendant plusieurs jours, quelques temps, cette expérience. C'était sympathique, j'en ai gardé de fabuleux souvenirs, d'ailleurs. On partageait ce qu'ils avaient à manger ou ce que moi je pouvais avoir. On dormait sur des cartons, des bouches de métro, des abris de, pas de bus, mais d'arches, en tout cas d'entrée et autres. C'était fabuleux. C'était pas ma vie, bien sûr, mais c'était en tout cas des moments assez plutôt grandioses, je dirais. Parce que c'était un moment de liberté où il n'y avait plus de contraintes et c'était vraiment bien. J'ai compris pourquoi ces personnes pouvaient vivre là. Et d'ailleurs, le dernier jour, la deuxième fois, le dernier jour que je les ai quittés, j'avais sympathisé avec tout le monde. Ils m'avaient présenté des clans, de ce qu'ils appellent des clochards qui venaient d'Allemagne. Enfin voilà, j'avais rencontré plein de monde. J'avais pu comprendre ce que j'avais à comprendre. Et puis quand je suis parti, ils m'ont accompagné jusqu'à la gare. Oh, ils étaient à peu près à 25-30. Et il me disait comme ça, ouais, mais les responsables de la gare vont pas nous laisser rentrer. J'ai dit, mais si, venez, je vous offre le chocolat à tous. Et puis voilà, ça a été le dernier moment que j'ai passé avec eux. Voilà. Et puis de là, ben, le temps a passé. J'avais eu la visite, gentiment d'ailleurs, entre parenthèses, d'un inspecteur des impôts, parce que j'ai eu contrôle fiscal, vous savez, j'ai eu tout ce qu'il faut, qui m'avait demandé. Je voulais comprendre parce qu'on vous avait décrit comme quelqu'un de pas gentil, on m'avait dit fais le maximum pour essayer de trouver quelque chose, il y a quelque chose à trouver, cherche. Il me dit j'ai rien trouvé dans votre dossier, il n'y avait aucune anomalie particulière. En tout cas,
qui puisse laisser le doute sur la construction de ce patrimoine. Et il m'avait demandé, la dernière fois que c'est juste avant de sortir de prison, je reviens sur ce petit sujet parce que c'était important, ça m'a marqué, monsieur très sympathique, au départ qui était très distant. Et puis quand il a compris que c'était un coup monté, que c'était un règlement de compte, il a pris, je ne dis pas mon parti parce que ce n'est pas le terme, il m'a dit « Sachez que je ferai mon travail comme je dois le faire, mais je n'en ferai pas plus, même si on m'a demandé d'en faire plus, je n'en ferai pas plus. » Et quand il est venu la dernière fois, il m'a dit « Je voudrais vous poser deux questions. » La première, c'est « Comment vous saviez qu'il fallait acheter là de l'immobilier ?» Et la deuxième, « Comment vous avez fait pour avoir tous ces financements ?» Dans la première question, je lui ai dit « L'instinct, par instinct. » Et dans la deuxième, eh bien, lorsque vous voyez des hommes en affaires, c'est ce qu'on oublie souvent, ne voyez pas le monde des affaires, voyez simplement des hommes. Et lorsque vous parlez avec des hommes, dites-vous que de toute façon, dans ces affaires, ce ne sont que des hommes. Et ces hommes-là, s'ils ont ressenti quelque chose de vrai en vous, alors vous aideront. Voilà simplement pourquoi et comment j'avais eu tant de financements et aussi rapidement. Alors, voilà, c'était une parenthèse. J'ai continué mon chemin. Une amie depuis des années, au moins 10 ans, me demandait d'écrire une histoire. Je ne voulais pas parce que je trouvais ça personnel, intime. Je n'avais pas envie qu'on parle de ça. Je ne voyais pas du tout ce que ça pouvait apporter aux autres parce que c'était une expérience de nombre d'années, de méditation à travers plusieurs années, en période, de faits ou de phénomènes qui ont pu se passer, c'est vrai. Et puis un jour, ça a été le moment, j'ai dit, écoute, si jamais tu veux écrire ce que tu voulais écrire, vas-y. Ainsi, un livre a été écrit. C'est vrai qu'au début, pendant longtemps, je m'y suis opposé parce que je ne voyais pas l'intérêt. Et puis, c'est vrai que lorsque, comme j'ai des contacts réguliers avec, si on peut dire là-haut, il me dit que c'était le moment. Et c'est vrai que même si je ne voulais pas, je me suis dit, c'est peut-être égoïste de ne pas vouloir expliquer certaines choses. Alors, un livre sorti, c'est très bien. Et puis, je n'avais pas envie ni de faire des conférences, ni de parler, parce que j'ai toujours vécu un petit peu tranquille et en retrait. Et puis, ça s'est présenté que je commence à faire des conférences, ce que j'ai fait. Donc, même si c'était pas évident de rentrer dans la société, c'est vrai que ça m'a permis, à travers ces conférences, de rencontrer beaucoup de monde, des milliers de personnes, que je vois quasiment tous les jours, je me déplace. Aujourd'hui, je commence à aller dans d'autres pays et tant mieux. Et qu'est-ce que je fais à travers ces conférences? Pourquoi? Eh bien, simplement parce que j'essaie de parler de spiritualité, j'essaie d'expliquer qu'il n'y a rien de mystique, que tout est en nous, que rien n'est caché, qu'il s'agit simplement de savoir le faire vivre au fond de nous. Alors, au fil des conférences, je peux expliquer, et j'explique bien sûr, comment est-ce qu'on peut être un endroit puis un autre. Comment des personnes qui aujourd'hui me demandent « Est-ce que vous pouvez être près de moi? Je me fais hospitaliser, j'ai une intervention, peu importe le problème, à telle date. » Et bien que la personne soit seule ou qu'elle y soit 10, 20, 30 dans des pays différents, je peux vous affirmer que je serai près d'elle. Il n'y a rien, il n'y a aucune anomalie. C'est simplement que nous rentrons dans ce que l'on appelle l'ère spirituelle. Cette ère spirituelle est en train d'éveiller chez nous des cellules sur lesquelles nous n'avons pas beaucoup de connaissances, aucune, sur lesquelles ça rentre aussi dans ces 90%. Du cerveau que l'on n'exploite pas, mais qui sont beaucoup plus grands que ça, en fait, de que 90%, beaucoup plus larges, et qui permet à l'homme de vivre sur des sens beaucoup plus affûtés. Et finalement, si nous avons appris à lire, à écrire, à marcher, à danser, à faire du vélo, à étudier, eh bien, nous n'avons jamais vraiment appris à aimer. L'homme, depuis des milliers d'années, n'a jamais compris que peut-être il aurait dû commencer par des écoles qui apprennent à aimer. Une matière au moins dans des écoles. Alors, vous voyez ce que je parle là? Eh bien, dans quelques temps, dans les années rapides, sera dans les facultés, sera
dans les écoles primaires, les collèges et les lycées, sous une forme très simple de ce qu'on appelait avant l'instruction civique. Ce sera plus élaboré simplement. Depuis très longtemps, des prophètes sont venus nous parler, nous expliquer, nous dire que ce qu'ils faisaient, tout le monde pouvait le faire. Eh bien, je fais des conférences pour montrer tout ça, pour montrer qu'en fait, ce que l'on cherche, ces capacités, nous appartiennent simplement, qu'il s'agit simplement de savoir s'ouvrir. Alors, quand ces prophètes ont parlé d'amour, de donner, de partage, de ne pas juger, eh bien effectivement, on n'avait pas les mots avant sur le cerveau, sur les cellules, sur les neurones, c'est vrai. Alors on parlait d'amour simplement. Il y a un petit point que nous avons oublié, c'est que dans l'amour, il existe deux fonctions. C'est ce que la science ne connaît pas vraiment, le cerveau ne le connaît pas encore. C'est qu'en fait, il y a l'amour que l'on va avoir pour sa femme, son mari, ses enfants, ceux qu'on aime autour de nous, qui font partie de notre équilibre. Et puis, il y a l'amour que l'on pourrait, que l'on pourra peut-être avoir pour ceux que l'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus. Eh bien, la différence est là. C'est qu'un est un amour qui nous appartient, qui va dépendre de ce que l'on est, un peu lié à notre façon de voir les choses, à notre vision de la vie, à notre ego aussi, parce que on n'a pas envie qu'on nous prenne ce qu'on nous aime autour de nous, hein, la femme, on n'a pas envie de voir autour de notre femme quelqu'un rôder autour, c'est évident. Eh bien, parce que c'est à nous, ça fait partie de notre équilibre. Et pourtant, il existe un amour encore plus grandiose. Eh bien, c'est celui que l'on appellera l'amour universel, celui vers les autres. Eh bien, c'est dans cet amour universel que ces cellules peuvent commencer à vivre et à émettre des fréquences plus élevées. Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'effectivement, lorsque des personnes sont hospitalisées, et des dizaines ou des centaines de personnes peuvent en parler sans problème, que je suis près d'elles. Parfois physiquement, des fois non. Des fois simplement un toucher, des fois de se ressentir. Eh bien, simplement parce que comme elles sont en attente et que lorsqu'on fait un travail d'évolution vers une recherche vers les autres, comme j'essaie de faire tous les jours depuis très longtemps, eh bien, on ouvre son esprit, on dépasse nos limites. Et à partir de là, eh bien, on fait appel à une autre forme d'intelligence. Si quelqu'un se met derrière vous, il est très énervé, vous ne le voyez pas, vous ne le touchez pas. Est-ce que vous allez savoir que quelqu'un derrière vous est très énervé? Bien sûr que vous allez le savoir. Bien sûr que vous allez le sentir. Mais alors, quel sens utilisez-vous? Les cinq sens? Non? Un autre. Eh oui, un autre. Et pourtant, nous pouvons parfois être 400, 500, 600 dans des conférences. Lorsque je pose cette question, tout le monde est d'accord. Mais alors, quel sens utilise-t-on? Eh bien, justement, ce qu'on appelle des fréquences. Des cellules. Comme un jumeau peut ressentir son frère à des milliers de kilomètres, comme un dauphin va pouvoir soigner un enfant autiste, comme un savant qui va faire une découverte et va être heureux de sa découverte même s'il la garde cachée, mais à partir du moment où il a exprimé son émotion, alors sa découverte est transmise dans tout l'univers, sur la planète entière. Seules les personnes qui se rapprochent de ces fréquences, comme les savants qui font les mêmes recherches, vont pouvoir le capter. Voilà pourquoi des savants, lorsqu'ils font une découverte, eh bien d'autres savants, juste après ou en même temps, vont faire la même découverte. C'est bien connu, on n'utilise pas nos cinq sens, mais un sens différent, simplement nos cellules. Eh bien, lorsque ces personnes sont hospitalisées, par exemple, eh bien, c'est une histoire d'étude de fréquence. C'est-à-dire que, au fil des années, quand on apprend à aimer les autres, pas sa femme ou ses enfants, les autres aussi, eh bien, on développe des cellules à fréquence plus élevée et qui permet effectivement, simplement, d'apprendre à interpréter ce que veulent dire ces fréquences. Vous écoutez des radios FM, vous les entendez pas, pourtant elles sont là. Eh bien, lorsque je prends, puisque je rencontre beaucoup de monde, je fais des entretiens gratuits pour le plaisir, et puis je fais des conférences aussi le soir pour expliquer tous ces paramètres que j'essaie de mettre en évolution à mesure que les personnes puissent comprendre
qu'elles peuvent comprendre, eh bien, il y a cette fréquence de cellules que l'on a et qui permet effectivement de pouvoir se parler d'un endroit à un autre, se ressentir plus précisément. Et lorsque, par exemple, quelqu'un cherche une place de parking, c'est connu, enfin je sais ici, dans d'autres pays aussi, on demande et on fait appel à ce qu'on appelle un ange. L'ange des parkings ou l'ange gardien, je ne sais comment chacun l'interprète, peu importe. Eh bien, c'est le même principe. Il faut considérer les anges comme ce qui représente ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Et l'expression de ce qu'il y a de plus beau dans la vie, eh bien, lorsque nous avançons sur ce chemin d'ouverture d'esprit, alors nous sommes sur le chemin qui nous mèneront vers les anges. Parce qu'ils sont là. Ils représentent ce qu'il y a de plus beau. Il n'y a aucun problème, mais alors aucun, à pouvoir demander à être aidé du moment que c'est dans l'amour. Eh bien, lorsqu'un dauphin soigne un enfant, là aussi c'est par amour. Lorsqu'un mammifère comme les dauphins sauve des plongeurs, quel intérêt au péril de leur vie contre des requins, ils le font parce qu'ils aiment l'homme, parce qu'on s'en ressemble un peu. Leur cerveau est plus complexe parce qu'ils utilisent des fonctions que nous n'utilisons pas, que nous ne savons pas utiliser. Eh bien, c'est ce que j'explique en conférence, c'est ce que ces prophètes depuis des milliers d'années ont voulu nous dire, que nous ne sommes pas arrivés à comprendre et qu'aujourd'hui, nous allons pénétrer doucement dans cette ère spirituelle pour une évolution fabuleuse. Il y a quelques jours, une dame en conférence me dit gentiment, « Vous pourriez nous parler de Dieu, qui il est ?» Je lui dis, Est-ce que vous aimez quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà aimé? Alors elle répond, oui, j'aime mon mari, j'aime mes enfants. J'ai dit, alors vous avez rencontré Dieu? Et là-dessus, je lui dis, mais avez-vous eu un moment de grâce dans votre vie déjà, quelque chose qui dépasse ce sentiment, ce moment de grâce que parfois on attend? Elle m'a dit, oui, ça m'est arrivé une fois. J'ai dit, alors vous avez parlé avec Dieu? Vous l'avez rencontré? Lorsque vous aimez quelqu'un et lorsque vous ressentez cette grâce, vous parlez avec lui. Vous voyez, ce n'est pas une histoire de langage, c'est une histoire d'émotion, de sentiment. Eh bien, ma démarche à travers la France, à travers les pays, c'est ce que j'essaie de faire, et de bien expliquer que toutes ces capacités que l'on cherche résident en nous naturellement. Elles sont simplement une ouverture d'esprit. Rappelez-vous, la spiritualité est une ouverture d'esprit vers l'infini. Elle n'est pas une pratique, elle n'est rien du tout. S'il existait sur la planète un endroit qui nous rende à coup sûr spirituel, ou en tout cas atteindre cet état d'éveil, on le saurait. C'est parce que ça nous appartient à chacun et que personne ne peut faire ce chemin à notre place. C'est à nous de le faire. Vous voyez par exemple, si vous mangez n'importe comment, du sacré, du sucré, du salé, à n'importe quelle heure, vous buvez n'importe comment, vous n'êtes pas très bien, vous digérez mal, et vous n'êtes donc pas très bien. Eh bien, il en est de même dans notre pensée. Lorsque l'on pense n'importe comment, que l'on ingurgite des tas d'informations qui n'ont pas d'intérêt, que l'on croit avoir de l'intérêt, eh bien, on sature et quelque part on pollue. Nous oublions que notre mère, c'est la nature. Que si Dieu est notre Père, effectivement, que notre mère est la nature, et que nous avons besoin quand même de la protéger, que nous avons besoin de faire attention à elle, de faire attention à l'endroit où nous vivons, de ne pas la perturber plus que nous le faisons. Malheureusement, l'industrie, enfin, je ne vais pas parler de l'industrie, mais en tout cas, tous ces éléments-là, eh bien, amènent, je dirais, la pollution, et à travers l'homme en tout cas. Heureusement, ça, dans les années qui arrivent, ça va commencer à changer, et tant mieux. Voilà, alors je fais des conférences régulièrement pour expliquer tout ça, des choses de la vie simples, sans parler de techniques, sans parler de termes scientifiques, même si ça se rapproche de la science, pour parler que la vie, eh bien, nous appartient et que c'est à nous de savoir la vivre et lui mettre sa véritable valeur. Que chacun s'en compte
et que c'est dans notre pensée que nous devons faire attention de ne pas, je dirais, comme manger n'importe quoi et bien penser n'importe comment. Je n'ai jamais accepté qu'on dise du mal des gens autour de moi. C'est un principe que j'ai depuis toujours, qui fait que je respecte au moins mes amis, ceux que j'aime, et que ça n'a aucun intérêt qu'on me parle d'eux en mal, en tout cas ça ne m'intéresse pas. Dites-moi ce qu'on peut dire de bien, oui, effectivement. Maintenant, un point plus précis sur la spiritualité. Rappelez-vous, c'est pas la peine de chercher à parler à droite à gauche de spiritualité à des personnes qui peut-être ne sont pas prêtes à entendre. Pourquoi ? Eh bien, parce que lorsque vous aimez quelqu'un, eh bien, ce que vous ressentez, même si l'autre aime bien la personne, elle ne peut pas ressentir comme vous, parce que ce n'est pas le même sentiment. Eh bien, la spiritualité est un sentiment. Elle sera une ère de compréhension, c'est vrai, mais liée au sens et au sentiment. En fait, on se vante de ce que l'on n'est pas quand on sait, on se tait. On peut transmettre des informations, on peut aider à faire comprendre, mais se vanter, ça ne sert à rien de parler à droite à gauche de spiritualité. Il est plus important d'être que de faire. Faire, vous avez vos mains, vous avez 24 heures, vous pourrez faire guère plus. Mais être, vous pouvez transmettre autour de vous beaucoup plus de choses que vous pouvez l'imaginer et donner l'exemple. Ça, c'est très important. Alors, ben voilà, je me déplace, j'essaie d'expliquer tout ça, de montrer tout ça. Vous voyez, d'une façon comme je peux le faire, simplement, bien sûr. Un jour, j'espère pouvoir, si j'arrive à rencontrer beaucoup, beaucoup de monde, pouvoir être là, là où les droits de l'homme sont bafoués, là où les personnes sont condamnées à mort, là où la torture existe, là où l'abus de pouvoir est important et abuse de l'être humain d'une façon trop grave. J'espère pouvoir être là. Voilà. J'ai passé un moment agréable à parler avec vous. Je sais bien, vous me répondrez peut-être à travers des conférences. Je vous salue et puis peut-être au plaisir. Au revoir.